fiston. On ne dort pas à son bureau. Maman, je dormais pas, je reposais juste mes yeux. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, écoute, j'ai de quoi t'occuper pendant quelques temps. C'est bientôt les vacances de Pâques pour ton neveu Doudou Dingue, qui est en pension. Je l'envoie chez toi pour des vacances tropicales. Oh, oh non, maman. Tu sais que je ne supporte pas les enfants. Tu vas t'occuper du gamin. Tu dois bien ça à ton frère congelé, le docteur Dingue. Je m'en occuperai bien, mais j'habite en ville et il a besoin d'aide. Maman, tu n'as qu'à l'emmener à la campagne, s'il te plaît. Si tu ne t'en occupes pas, tu auras affaire à moi. Compris? Oui, maman. Bon, je préfère ça, mon garçon. Et bien sûr, il n'est pas question de corrompre Doudou. Pour lui, tu es biologiste et spécialiste de la faune. Et c'est très bien comme ça. Je veux que Doudou devienne un homme honnête. Tu entends? Peut-être même un politicien, je sais. Bonjour, mon bon jardinier. Je me demandais, est-ce que cela perturberait votre jardin si je décidais d'installer, disons, une toute petite verrière pour avoir de la lumière dans mon bureau? Bonjour, mon colonel. Bonjour, jardinier. Je suis venu vous dire au revoir. Et comme vous m'encouragez toujours à m'en aller, j'ai décidé de partir en vacances avec Sophie. Je l'emmène dans l'endroit le plus isolé, le plus inexploré du monde, afin qu'elle puisse étudier la faune pour son exposé. Formidable, non? Absolument. D'autant plus que vous ne serez plus ici. Alors dépêchez-vous de partir. Vous voyez bien que je suis en réunion privée avec notre jardinier. Alors, où voulez-vous mettre cette verrière exactement? Oh, vous voulez installer une verrière, mon colonel? Bonne idée! Et vous savez quoi? C'est votre jour de chance. Je suis un véritable expert en verrière. Il y en a partout dans ma maison. Gogo Gadgeto Excavateur. Non, Gadgeto! Ne vous inquiétez pas, mon colonel! Ça sera fait avant que vous n'ayez le temps de dire merci! Mon jardin! Une verrière doit apporter autant de lumière que possible. C'est important. C'est pour ça que mon excavateur découpe une aussi grande surface. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à acheter une fenêtre aux dimensions. Bon, c'est l'heure de partir en vacances. Au revoir, les amis. Mes roses, mon beau jardin, oh non! Écoutez, mon cher jardinier, je compatis à votre douleur. Ce doit être très pénible. Mais il faut prendre les choses du bon côté. Ça aurait pu être bien pire. Vous savez, après tout, ce n'est qu'un trou. Quoi? Ce n'est qu'un trou? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas si grand que ça. Et en plus, il fait effectivement rentrer la lumière dans mon bureau. Quoi? Vous voulez dire que... Vous êtes d'accord? Ah, j'aurais dû m'en douter. Après tout, vous êtes son patron. Il n'a fait qu'exécuter vos ordres. Bravo, regardez ce que vous avez fait. Comment ça, ce que j'ai fait? Gadget! Yuri et Sergio, vous accéderez au moindre désir de mon neveu. Oui, docteur Gang. Et une dernière chose, il ne doit jamais découvrir ce que nous faisons réellement ici. Maintenant, du balai. Rien à déclarer, mademoiselle? Moi si, monsieur, j'ai plein de choses à déclarer. Il y a ma gadgeto carte, mon gadgeto ordinateur portable, mon gadgeto home cinéma, mon gadgeto... Sophie, c'est bon, j'ai récupéré ta valise. Désolée, mais je crois que c'est la mienne. Waouh, trop cool les robots. C'est gentil, ça doit être la mienne. Ce sont exactement les mêmes. Tu es aussi venu étudier la faune? Non, je viens rendre visite à mon oncle, il habite ici. Waouh, c'est cool. Je pensais que personne ne vivait ici. Eh bien mon oncle à moi m'emmène camper dans la jungle. C'est génial. Mon oncle vit en quelque sorte dans la jungle, justement. C'est ce que ma grand-mère m'a dit. Je m'appelle Sophie. On peut te déposer? Non, merci. Quelqu'un vient me chercher. Ce serait sympa si on se revoyait. Je veux dire, dans la jungle. Je m'appelle Edouard. Bienvenue dans ma modeste demeure, Doudou.
Je t'ai acheté plein de jouets pour que tu t'amuses. Merci, oncle Georges, mais je suis un peu grand pour ça et je préfère Edouard. Tu sais, ce qui me plairait, ce serait de discuter de la faune avec toi puisque t'es biologiste. Oui, regarde donc mon chat, juste là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Matou. Cette cabane sera finie en un rien de temps, vous verrez. Nous aurons ainsi un endroit bien solide pour nous abriter. Gogo Gadget au ressort! Non, d'un gadget! Ouf! Bien! Je vais me mettre en maillot, je crois. Tiens, c'est bizarre. C'est la première fois que cette serrure me pose un problème. Quoi? ED? Ce ne sont pas mes initiales. J'ai dû prendre la valise d'Edouard. Et lui, il doit avoir la mienne. Oh! Ça alors, j'en reviens pas. La fille que j'ai rencontrée à l'aéroport Campla sur la plage, c'est génial. Génial? J'espère qu'ils ne vont pas perturber nos... notre environnement protégé. Votre oncle déteste que des gens viennent perturber ses, son environnement protégé. Aucun souci. Ils sont juste venus pour explorer la jungle. Tiens, c'est drôle, on dirait que sa valise ne s'ouvre pas. Ce sont mes initiales, mais c'est ma valise. Tu vois, Gidget, heureusement que ma valise est équipée d'un dispositif de repérage. Je peux la localiser précisément dans un rayon de 500 km. Dommage qu'elle ne soit pas aussi équipée de jambes. Hé, regardez, d'après la carte de mon GPS, ma valise n'est qu'à une centaine de mètres près de la plage. Ça doit être la maison de l'oncle d'Edouard. Gidget, j'y vais pour récupérer ma valise. Pas question que tu y ailles toute seule. C'est trop dangereux. Pas question que tu viennes avec moi. Tu dois rester ici avec Fidget pour veiller sur oncle Gadget. Petit poisson. Oh non, d'un gadget, j'en ai eu un. Allez, viens, Fidget. Il faut aller à la rescousse du lieutenant. C'est pas juste. Même en vacances, on doit travailler. Tout ce que j'ai vu, c'est un homme qui pêchait et une jeune fille qui se promenait sur la plage. Rien d'inquiétant, si ce n'est que votre neveu semble avoir un faible pour la fille. Ils se sont rencontrés à l'aéroport. Cette jungle est à moi. Je ne veux personne dans les parages. Envoyez les animaux. À vos ordres, Docteur Gang. Waouh! Edouard ne m'avait pas dit que son oncle vivait dans un manoir. Un ascenseur caché dans la falaise. Trop cool! Un intrus, côté falaise. Activez sécurité niveau 1. Ne t'inquiète pas, je te tiens. Oh, et ben ça alors? Je crois que tu m'as sauvé la vie. Je n'y comprends rien. J'ai dû rater une marche. Est-ce que je peux être maladroite? On a tous les deux deviné pour les valises. Oui, tiens, voilà la tienne. Envoie les animaux attaquer le camp installé sur la plage. Ça marche, je leur transmets un signal de recherche et destruction. On dirait que notre cuisine attire la faune de la jungle environnante. Franchement, cette faune a une tête qui ne me revient pas, lieutenant. Ces animaux doivent juste avoir faim. Ah, ils ne doivent pas aimer le poisson. Non, ta gadget, et arrête, ça chatouille. J'ai compris, ils veulent simplement jouer. Tu es drôlement costaud, toi. Messieurs, prenez mon nouvel ami en photo. Je croyais que les fourmis ne mangeaient que des fourmis. Vite, réfléchis, Gadget. Que ferait Sophie si elle était là? Non. Non, ta gadget. C'est quoi ça? Arrête
récepteur radio. Quelqu'un contrôle ces animaux à distance. Si j'arrive à bloquer le signal, ils arrêteront peut-être d'attaquer. Bon, j'ai intercepté le signal. Maintenant, il faut que je le bloque. Pourvu que ça marche. Ça y est, j'ai réussi. J'ai réussi. Wow, il faudra que je raconte ça à Sophie. Tu as vu ce que j'ai fait, je suis sensationnel. On est tous sains et saufs grâce à moi. Ouais, ouais, mais n'oublie pas que tu es un robot. Tu n'es pas programmé pour être prétentieux. Oui, mais les matières scientifiques, c'est vraiment ce que je préfère. C'est incroyable, on a des tas de choses en commun. Je suis contente de t'avoir rencontré. Et moi aussi. Tu es la fille la plus sympa que je connaisse. Sophie, je suis content que tu sois revenue. Je dois te dire quelque chose. C'est les animaux. Pas maintenant, Digit. Je ne suis pas seule. Tu comprends? Doudou! Doudou! Oh non, c'est l'un des assistants d'oncle Georges. Il est un peu lourd. Je vous retrouve enfin, Doudou. J'ai parcouru toute la plage à votre recherche. Votre oncle se fait du souci pour vous, Doudou. C'est bientôt l'heure du dîner. C'est Edouard. Je n'aime pas beaucoup les diminutifs. Et j'aimerais inviter mes amis à venir dîner chez mon oncle Georges. Enfin, si tu en as envie. J'aimerais beaucoup. Oncle Gadget, on peut aller dîner chez mon ami Edouard? Son oncle habite dans un grand manoir au sommet de la falaise. Non, ta Gadget, avec plaisir, j'aimerais bien voir un lieu touristique. Allons-y. Si cela peut vous faire plaisir, Edouard. Docteur Gang, Sergio vient d'appeler pour dire que votre neveu a invité des amis à dîner. Des amis? Quels amis? Je vous laisse regarder, patron. Gadget! C'est impossible. Est-ce que je donne l'ordre de les éliminer dès qu'ils arrivent ici, Docteur Gang? Oui. Ah, mais je veux dire non. Seulement quand mon neveu ne sera plus là. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis le maître d'hôtel. Malheureusement, l'oncle d'Edouard s'est brusquement senti fébrile. Il ne pourra se joindre à vous pour le dîner. Veuillez l'en excuser, si vous voulez bien me suivre. Oh, je ne supporte pas de voir Gadget dans ma salle à manger, en train de manger ma nourriture. C'est délicieux, mes compliments au chef. Cette soupe de poisson est un vrai régal, vous ne trouvez pas? Oh, et en plus, il se régale à mes frais. Il joue avec mes nerfs. Sophie, tu veux voir l'aquarium de mon oncle? Il est plutôt impressionnant. Est-ce que je peux te voir seule maintenant, Sophie? Je veux d'abord voir l'aquarium. Un aquarium? Super! J'adorerais le voir, moi aussi. Bonne idée. Gardons un œil sur nos deux tourtereaux. Est-ce qu'on peut avoir du rab, s'il vous plaît? Non! Si mon identificateur d'espèce animale ne se trompe pas, ce sont des poissons très dangereux. Ça, c'est ce que j'appelle un service ultra rapide. Donnez-moi tout ce que vous avez. Gogo Gadgetto, super aspect. Oh, et je voudrais aussi une carafe d'eau, s'il vous plaît. Oh non! Fidget, Digit, sauvez-les vite! On ferait mieux d'aller voir si ton oncle va bien. Est-ce que tout va bien, oncle Gadget? Super. Je voudrais remercier le propriétaire des lieux pour son hospitalité. Tout était absolument délicieux. Je vais vous le présenter. Il sera enchanté de vous rencontrer. Je suis navré, mais l'oncle d'Edouard est très contagieux. Il ne peut voir personne. Ce sont les ordres du docteur. Il est vraiment très malade. Oh, comme c'est dommage. Dans ce cas, transmettez-lui nos remerciements. Bande de crétins! Vous ne pouvez pas vous débarrasser de lui! Rassemblez les indigènes! Leur nouveau maître va leur donner des ordres! Des étrangers sont venus perturber l'harmonie de la forêt et ils ont ainsi éveillé ma colère! Ils doivent être sacrifiés aux esprits de la forêt! Sinon, le village sera détruit! Ouf, on est enfin tout seul. Je peux te parler maintenant? J'ai quelque chose de très important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Ah,
Regardez-moi ça. Ils ont dû venir nous chercher pour une cérémonie nocturne de leur tribu. Sophie! Sophie! C'est bizarre. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh non! Cette cérémonie indigène est passionnante et très divertissante. Chut! Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Halte! Il ne faut pas toucher au garçon! C'est un esprit de la forêt, compris? Oh, on est dans le bureau d'oncle George. Mais comment ça se fait? Oh non, je rêve! C'est impossible! C'est impossible! Mais qu'est-ce qu'il y a, Sophie? C'était juste Matou, le chat de mon oncle. Non, Edouard, c'était Matcha, ce qui signifie que ton oncle est... le Docteur Gang! Qui? L'homme le plus diabolique du monde, le patron de MAD, l'organisation criminelle la plus puissante qui soit. Et le Docteur Gang est surtout l'ennemi juré de mon oncle. J'étais sûr que mon oncle cachait quelque chose. Il était trop étrange. Oh, ne les laissez surtout pas s'échapper. Ce sont de mauvais esprits. Ils doivent être sacrifiés au plus vite pour que les esprits de la forêt soient apaisés. Eh, vous savez, je ne suis qu'un robot. Les sacrifices de robots, ça n'a jamais existé. Et voilà, tu attends les dernières minutes de ta vie virtuelle pour enfin admettre que tu es un robot. Digit, on vient de faire une terrible découverte. Je reviens vous aider. Je dois aller sauver Oncle Gadget et les Gadgetini. Bon, je viens avec toi. J'ai un compte à régler avec mon Oncle Gang. Je peux utiliser ton émetteur radio pour un appel urgent? Le temps qu'elle revienne, on sera réduit en cendres. Je dois faire quelque chose. Ça y est, j'ai une idée. Il nous faut les animaux. Les animaux? Tu trouves qu'on n'a pas assez d'ennuis comme ça? Et si j'arrive à bloquer leur signal, je pourrais peut-être les contrôler pour qu'ils nous aident. Grand-mère, pourquoi tu ne m'as pas dit que mon oncle était un monstre diabolique? Toutou, je préfère ne pas parler de ça au téléphone, tu sais. Je ne peux pas rester avec lui et le laisser faire du mal à mes amis. Je préfère encore m'enfuir dans la jungle et être dévoré par les animaux. Toutou, surtout pas d'imprudence. Je vais appeler ton oncle et régler cette histoire. Ne t'inquiète pas. Je sais que je peux y arriver. J'y suis presque. Ça y est. Qu'est-ce qu'on s'est mis? N'ayez pas peur, je me charge de contrôler les animaux. Maintenant, attrapez les prisonniers! Super! Le moment le plus amusant du rituel est enfin arrivé! La chasse à l'homme! Comment oses-tu te comporter ainsi en présence de ton neveu? Je viens le chercher immédiatement. Et toi, laisse ses amis tranquilles. Mais maman, c'est Gadget. Gadget, je dois l'éliminer, maman. Peu importe de qui il s'agit, ne réponds pas et obéis. Fais ce que je te dis ou tu verras de quoi je suis capable si je suis en colère. Oui, maman. Oui. Abandonnez la mission, laissez-les partir, c'est maman qui le veut. Gadget connaît mon repère, je dois partir. Ah, je déteste les enfants, je déteste Gadget, je déteste. Ah, Gadget. Quel fabuleux bouquet final, magnifique. Et colonel Poilonné, et que faites-vous dehors par un temps pareil? Gadget, vous savez parfaitement pourquoi je suis dehors. C'est vous qui avez mis mon bureau dehors. Alors maintenant, dehors, avant de détruire autre chose. Très bien, mon colonel. Mais vous savez, un jour, un garde forestier m'a gentiment appris comment construire le parfait abri. Exactement ce qu'il vous faut. Ah, vous vous trompez complètement, Gadget. Je n'ai besoin de rien, et surtout pas de vous. Go, Gadget, au constructeur d'abri. Une espèce de...
Je vous félicite tous les deux. C'est bien de savoir se détendre sur son lieu de travail. Le jeu est une formidable activité anti-stress. Profitez bien de l'abri. Go, go, Gadgetto, cocktail.